Salut tout le monde! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous et que tout se passe comme vous voulez. Ben nous, on va super bien. Comme vous voyez, j'ai commencé mon entretien avec une sourire, c'est que je suis super excitée. Vous pouvez pas imaginer. Imaginez, c'est quoi? Donc, aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour mon échographie. Donc, je vais aller. C'est aujourd'hui qu'on va savoir le sexe de l'enfant. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va savoir le sexe de l'enfant. C'est qu'on s'est dit, ben pourquoi pas vous amener avec nous autres. On va vivre cette aventure-là ensemble. Comme ça, on va les découvrir ensemble. Tellement excitée, vous pouvez pas imaginer. Je suis tellement excitée. Oh, c'est pas possible. Oh mon Dieu, j'ai tellement grossi. Mais c'est pas grave. Donc, c'est ça comme je disais sur ce. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Samuel et Joël, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Ça nous fera énormément plaisir dans l'esprit de chaque jour, quoi. Donc, c'est ça. T'as voyé, comme vous voyez son sourire, hein? Il est super excité aussi, là. Donc, c'est le jour J aujourd'hui. On va le savoir. Donc, on vous emmène avec nous autres. Ben, à tantôt. Voilà, on est maintenant en route. Vous ne pouvez pas savoir comment on est excité. Bon, moi et Samuel, vu qu'on a déjà une petite fille, on aimerait ça que ce soit un garçon. Mais ça ne nous dérange pas d'avoir une autre fille. On a eu tellement une bonne expérience avec ma fille, ma première fille. Donc, ça ne nous dérange pas que ce soit une fille ou un gars. Mais si c'est un gars, ça nous ferait énormément plaisir aussi. Parce que comme on vous a dit, on a déjà une fille, ça serait beau qu'on soit, on est aussi un petit garçon. On aura un petit prince à la maison, fait qu'on a déjà une petite princesse, fait qu'avec un autre prince, ça sera waouh. Ben il est gros, hein, c'est normal. Mais c'est ça, hein, ça m'étonne si tu aimerais ça que ce soit. Ben ouais. Que ce soit un garçon, hein. Ben oui. Yes. Tu aimerais ça. De toutes les façons, moi j'aimerais ça que ce soit un garçon parce que. De toutes les façons, ma fille, elle est plus attachée à ça. Ben, elle est attachée à... C'est pas vrai. Bon, elle est attachée à moi aussi, mais elle est genre... elle est plus genre, c'est mon papa, moi c'est maman. Hein? Quand elle parle à Samuel, c'est mon papa. Moi, c'est maman, c'est une maman. Hein? Je suis pas jalouse, mais je trouve qu'elle est plus papa que maman. Ouais. Moi, en tout cas, elle est plus moi quand elle a besoin de quelque chose. J'entends te dire là, que ouais. Ça a l'air que les petites filles sont plus attachées au papa. Mais aux mamans aussi, mais au papa. Ils se tiennent plus avec papa et tout ça. Puis que ouais. Les garçons sont plus attachés aux mamans. C'est vrai, ça? Ben, ça se peut que ça soit ça aussi, hein? Donc, non, comme je disais, on vous emmène avec nous autres. On va vivre cette expérience-là ensemble. Fait que c'est quoi... c'est quoi notre programme? Fait que là, on s'en va. On a oublié l'enveloppe. On va lui donner un papier. Fait que l'objectif, c'est que à cause de tout ce COVID-19, on voulait faire une fête. Mais avec le COVID, avec tout ça, on n'est pas sûr. Hein? Avec le froid qui arrive, ça se peut que ça monte. Mais on ne veut pas avoir beaucoup de monde à la maison. Et on ne veut pas non plus inviter tel. Fait qu'on s'est dit, bon, on va boycotter la fête. Là, hein? On va pas faire une fête des révélations, sexe, nanana. On va essayer de, on va le faire juste un petit truc pour nous à la maison. C'est ça. Et puis surtout que y a l'anniversaire de ma fille qui arrive, fait que c'est double dépense, tout ça, blablabla. Bon. De toute façon, là, les gros problèmes, c'est que moi, en tout cas, j'ai peur à cause du COVID-19. Je ne veux pas avoir beaucoup de monde à la maison et on sait pas, hein, on sait pas. Surtout que les cas continuent à augmenter. Une petite erreur pour faire. Ouais, surtout que les cas augmentent et surtout que Samuel est asthmatique. On ne veut pas avoir cette. On veut pas prendre une chance. Donc, c'est ça qu'on s'est dit. Nous, on va pas faire des fêtes. On va pas faire des fêtes, mais on va faire ça, que ce soit quand même spécial. Hein? On va faire ça sur YouTube. On va faire ça. Déjà, c'est spécial parce qu'on va le faire avec vous. Donc, c'est ça. Excusez ma main. Ouf, ton casque là, mais ça attend. Voilà. Donc, on s'est dit, on arrive là-bas, blablabla. La madame ou
le monsieur, je ne sais pas ça va être qui. Il va nous écrire ça dans une enveloppe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jusqu'à aller acheter un ballon. On arrive là-bas. Fait que nous, on ne va rien regarder. Tout ça, on va regarder avec vous ce soir. Donc, nous, on ne va rien regarder. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller là-bas. Fait qu'on montre, on donne à l'enveloppe à la dame ou la fille qui travaille là-bas dans, pour acheter les ballons, tout ça. Fait qu'il va nous monter tous ces trucs-là. Et puis, on rentre à la maison. On attend quand Manuela rentre de la garderie. Et puis, on va vous filmer. On va faire une révélation ensemble. Hein, ça sera aussi spécial. C'est une façon aussi. Ouais. Pas de fête, mais... Fait que c'est ça. Donc, sur ce, on vous laisse ici. On se voit à la... Où? À l'hôpital. Tantôt. Donc, on vient d'arriver à l'hôpital. On est désolé, je n'ai pas fini à l'entrée parce qu'il y avait tellement de lignes là, c'était fatiguant. Et là, on attend qu'on nous appelle parce que là, on a passé tous les passages, tout ça. Et qu'on attend qu'on nous appelle. Donc, on va vous filmer ça quand on va être à l'intérieur. Quand on va commencer vraiment l'échographie. Et voilà! Donc, la première partie est terminée. Fait qu'on était à l'hôpital. C'était long. Ralentissement de la circulation. C'était dans son pas mètre. Possible. Prévoyez un retard. Donc, excusez, ça c'était les GPS qui parlaient. Donc, voilà. Donc, c'est ça. L'attente était longue. Fait qu'on se demande. Je me demande toujours pourquoi ils nous donnent des rendez-vous. Parce que des fois, ils te donnent rendez-vous à 15h. T'arrives là, t'arrives même avant 15h. Et là, ils te font attendre encore une heure pour que tu te fasses passer. Toujours les attentes. Tu sais, ils donnent 10 personnes, 15 personnes le même heure. Hein? Donc, genre 14h pour tout le monde. Vous arrivez là, vous attendez chacun, attend son tour. Bon, comme je disais, la première partie est passée à la clinique. Fait qu'on nous a mis les sexes sur un petit papier. Fait que là, on s'en va au magasin qui on vend des décorations, tout ça. À l'hôpital. Comprenez. Donc, c'est ça, on va là-bas. Une fois qu'on arrive là-bas, on va faire ce que je vous avais expliqué avant. Là. Donc, on va demander à la fille de faire tout ça pour nous, sans que nous, on puisse voir. Et le soir, après, on va aller chercher Manuela. Une fois qu'on a cherché Manuela, et puis, ben, on va faire ça ensemble, en famille et avec... Bon, vous allez le voir plus tard. Mais on s'est dit que vous êtes en ligne avec nous. Fait que c'est ça. Donc, on vous laisse ici. On se donne un rendez-vous au magasin. Parce que j'ai vraiment faim. Je ne peux pas filmer et manger en même temps. Bye. Ok, là, on vient d'arriver à Saint-Jérôme. Voilà. On est allé chercher la petite princesse à la galerie. Et là, on s'en va maintenant sur notre dernière étape. On va aller acheter des balles, les fossettes, les ballons, tout ça, pour faire la grande surprise. T'es sûre de Manu pour la surprise? Manu? Oui. Tu veux que ça soit une fille ou un garçon? Un garçon. Tu veux que ça soit un garçon? Oui. Ok. Manuela aussi veut avoir un garçon. Fait que tout le monde en famille veut avoir que ça soit un garçon. En espérant que Dieu nous a écouté. Mais comme je disais, même si c'est une fille, ça nous dérange en rien. Oui, ça ne dérange quasiment à rien tout ça. ça ne dérange pas. Donc, que ce soit une fille ou un gars, mais on aimerait ça avoir un petit prince à la maison aussi. Ça fait du bien tout ça. Comme ça nous va nous faire une bonne expérience hein, pour nous deux autres enfants qu'on va avoir après. Mais pour ceux qui ne savent pas, nous, on aimerait ça avoir quatre. Donc là, on va bientôt être à deux. Fait que ça va nous rester deux autres à faire. Bon, à tantôt et on se voit au magasin. Donc là, on est au magasin. Fait que finalement. C'est ça. Fait que là, on est au magasin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est ça. Fait que là, on a eu l'idée. On s'est dit, pour ne pas qu'on soit tenté vraiment carrément, on est allé, on a cherché ma petite sœur. Fait que ma petite sœur, c'est elle qui est partie faire tout. Fait que après, rendez-vous à la maison. Oh, mais je sais pas, moi, mon cœur, là, comment que mon cœur me le dit, c'est un garçon. Hein?
je sais pas, depuis tantôt, là, ça arrête pas d'être dans ma tête, c'est un garçon, c'est un garçon. Manuela? Moi, je veux celle-là. Ok. Manuela? Bleu. Manuela? Tu veux que le bébé qui est dans le ventre, ta maman, soit un garçon encore ou tu veux changer d'idée? Tu veux que ce soit un garçon? Tu veux que ce soit deux? Désolée. Tu veux que ce soit garçon ou fille? Mais non, tu dois dire. Garçon. Tu veux que ce soit les deux? Ok, ben la change d'idée, elle, ça ne le dérange pas. Avec le vert. Quel vert? On parle de quoi encore là? Avec les deux pour changer vert. Ok. Donc c'est ça. Avec quoi on peut changer le vert? Da 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 da. Dans quelques minutes. Oui. Je sais pas quoi vous dire là. Vous voyez mon visage là, pas depuis le matin. Hein. Je vous dis, je suis fatiguée, cassée tout ça là, mais it's a big day. Excitée, ah. Excitée vraiment. Je vous dis, je manque de mots. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Oh. Vraiment. Je le souhaite à toutes les femmes d'être mère un jour. C'est vraiment, je sais pas, la sensation. Hey, j'ai déjà une fille, là, mais je suis encore excitée. C'est comme si c'était la première fois que je suis enceinte. C'est fou. Il m'a rien été. Hein? Oui. Donc, avant qu'elle commence à faire des bruits, on va vous laisser ici et on vous donne rendez-vous quand on va. Donne ta main. Péter les ballons. Donc, à tantôt. Voilà, fait que là, on vient d'arriver à la maison. Fait que c'est le moment où on va faire le truc. Fait que on va essayer de faire ça dehors parce qu'on veut pas que ça salisse la maison parce que personne a envie de passer le balai. Maintenant, on est tout le monde est fatigué. Fait que à tantôt. Dans quelques minutes, ben ça va être le prochain slide pour vous, mais c'est dans quelques minutes pour nous. Fait que le moment est arrivé, on va le faire. Comme vous voyez, là, mon cœur bat à 100 à l'heure. Fait que là, on va fermer le livre. Maman, là, t'es où? T'es où, Maman? T'es où, Maman? C'est même, mais ferme les yeux. Ferme les yeux, hein. J'avais l'ouvre pas, hein. Attends, ne pète pas. Quand je te mets comme ça, voilà. Attends. Ok, boyé. C'est là. Oui. Ok. Regarde, pas comme ça. Il faut notre gauche. Va te gauche. Toi, ton gauche. Ouais, il sait pas. Ça ne nous pas les yeux. Attends, comment vas-y. Tiens. C'est le moment. Faut d'abord bien manier là. Je vous dis déjà qu'on va voir dans les vidéos. Ouais. Ah, ok. Allez. Ok. Comment on va en finale, on va hésiter. 1, 2, 3. Vas-y, 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 vas-y. Je me fais ouvrir. Ouais. Le garçon. Manuela. Donc, comme vous venez de voir, notre rêve s'est réalisé. Allez, 1, 2, 3. Non, mais il faut que tu l'ouvres, non? C'était vraiment une journée tellement longue en émotion. Je vous dis, vous n'allez pas y croire. Fait que là, on va être l'heureux parent d'un petit garçon. Fait que, hey, on a déjà une petite princesse. Fait qu'on va avoir un petit prince. Yes! Donc, sur ce, on va vous laisser ici. Je sais pas quoi dire. Donc, oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Le speech de chaque jour. J'ai rien d'autre à dire. Je suis trop excitée. Bye. À la prochaine vidéo. Donc, comme vous venez de voir, j'étais tellement excitée. J'ai failli vous laisser. Ma fille, elle n'a pas crié. J'ai failli vous laisser quand je dis non, faut que je vous reviens. Fait que c'est ça, comme vous voyez, on va être heureux parents d'un petit garçon. On est tellement excités, vous pouvez pas imaginer. Oh, fini les suspense là, parce que c'était comme, c'était des trous, hein. C'était trop comme j'attendais, est-ce que c'était une fille, un gars, blablabla. J'avais tellement hâte de cette journée. Donc, comme vous voyez, on a fini.
on a eu le temps de se reposer, tout ça, fait qu'on a fait notre speed, tout ça. Donc, c'est un petit garçon, vous le savez, quoi. Donc, c'est ça. Sur ce, merci beaucoup d'être là pour nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour les gens qui continuent de s'abonner. Ça me fait énormément plaisir et on se dit à la prochaine vidéo.